justifié. Maintenant, dans la 4, 5, justifié. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont dit ça? Il dit qu'Abotama qui est sous la loi. Donc, il était sous la loi. Dans un mot, dans le 24, verset 5. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses, il faut qu'on comprenne dans la matinée en Makassi. Vous devez comprendre ces choses, c'est très important. C'est la richesse que nous avons. Ils allaient construire tous les animaux. Et on ça va et c'est nos mingis. La parole me ravit le cœur. Il y a mon nez dans notre joie. Et c'est ce qui fait notre joie. Je David avec toi. Donc David avait dit. Nazaraka, ce qui est dans la parole, les aimés de Nazu, un grand bitin. Donc, quelque chose à l'aimer, mais ça, le roi Nazu, il faut se faire si ma et tout bas. Il faut la parole et c'est bénissaïo, ma case. Il faut que la parole puisse me réjouir. Attends, Galates 4, verset 4 à 5. Galates 4, le verset 4 à 5. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Le temps qu'il a commencé. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. N'est-ce une femme? N'est-ce sous la loi? Dieu bénisse. Ah. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous récitions l'adoption. Voilà. On a montré à Otama Mbekweza. Donc Jésus est né, la loi était là, il est né sous la loi. Il y a autre chose là. C'est pourquoi nous parlons. Man et ses études. Juste la frontière à Cana. La manne a cessé de prévoir aux frontières de Cana. À côté, terre à mort promise, manne. Mais ils ont sont entrés en Cana avant Pâques, était là en provision, avant la célébration de la Pâques. Parce que Pâques, où était Pâques? Où est Bessie dans Josué 5? Qui est dit dans Josué 5? Il y a un moment 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est ça, 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, au passe à la vie, et à Koufaka. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que donc, le Seigneur t'a envoyé qui? Lorsque le Seigneur était venu, la loi est continue à qui? Mon béco est combattu. Mais la loi paix et sira qui? Mais la loi aussi avait pris fin. La sens, la loi a prophétisé jusqu'à Jean. Dans et s'accomplit. Dans le sens de la loi a prophétisé jusqu'à Jean l'accomplissement. Bon ministère et un Messie souffrant. En ce qui concerne son ministère du Messie souffrant. Accomplissement, voilà. Qui s'en man et ça a été la frontière pour ma côte à terre. Puis man ici, quand à Nicolo, n'a miné le coin à Cocotte à Boulata. Mais tant que ma côte à Cocotte terre. Mais lorsqu'ils entraient dans la terre, Josué 1, Josué avant Cocotte avant d'y entrer, bonsoir provision. Bonsoir, bonsoir, Babylon, quoi pour lui. Donc, Adam, man est pour ceux qui la avant, on va s'arrêter. Mais bonsoir, c'est sous man. Mais prenez à toi cette main. Bon, vous les amenez dans le pays de la promesse. Non, mais il faut dire que Jésus était dans la Il avait dit que Jésus tel qu'il était là. Moïse a saigné la carte. Moïse était en lui. Jérémie a saigné la carte. Jérémie aussi. Daniel a saigné la carte. Daniel aussi était en lui. Tous ces prophètes qui ont précédé par la carte. Que Dieu bénisse. Ça ne veut pas avoir mon ami. Alors, à Sali Moussaba. Alors il a accompli l'œuvre. Lorsqu'il a célébré la Pâque, Pâque est Alissaka. La Pâque montre coupable de passer outre. Kolekalikolo aussi. On va dire dans les amours Saint-Emana, Exode 12. Voyez ce qui s'est passé dans Exode 12. L'ange j'ai expérimenté à sa compta. Moi je dois Zalaki Kobouma Zalaki. Azo Boumamana Libosh. Et puis il tuait les premiers-nés. En Égypte. En Égypte. Mais ce qu'a commis Payabana Israël. Mais dès qu'il arrive chez les enfants d'Israël, Payabana Israël, il y a là, la maison des enfants d'Israël. Maintenant, quand j'ai terminé la terre, parce qu'il a au Manana, à Moni Makirana Lento, il voit les sangs sur les lentes. Passa outre. Allez qui a cité ta Payabana. Donc on est Kawana de Nimoroba, Pâques. Et on est passé outre, c'est ça la Pâque. Donc les châtiments au Ezopé, ça qui en a. Donc les châtiments qui donnent la paix à la maison. Et quoi il a un lion au Ebaboumi en a. Et tombé sur l'agneau qu'on a immolé dans cette maison. Il y a un mot parlé pour tout à l'heure. C'est pourquoi les paix ne peuvent pas les atteindre. Il t'a amené ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pâques. Donc moi je vais aller qui a cimité. Il y a un autre magnifique aujourd'hui. C'est pourquoi quatre exemples quoi Nicolas Jésus. La colère de Dieu
C'est ça. Le Seigneur était en colère contre nous. Mais quand la mère soit ici, n'a la mieux de lui qui ôte les péchés. Mais toute cette colère s'est déversée dans l'agneau qui ôte les péchés. L'agneau a accepté la colère. Alors la colère de Dieu sur nous. Alors l'effet de l'exterminateur a passé pour nous. Notre Christ, notre Père. Alors le Christ passe à la mission. Aujourd'hui, les mêmes, les noms, les mêmes,
caché. Parce que ça a dit la bomba. Il avait une manne conservée dans l'arche. Ouais, mais pour la rater. Et cette manne n'allait subir pas la corruption. Mais les versets 31, Exode 16, le verset 31, Exode 16 dit ceci. Nous autant la pour Jésus-Christ. Nous le disons au nom de Jésus-Christ. Non, la parole est pour vous. Il nous besoin pour la vie, on va pour vos enfants, nous aussi grand nombre que le Seigneur a vous allez vous parler sous terre. Concitoyens des saints. Vous allez gens de la maison. Donc, là, c'est ça qu'il faisait. Dans le verset 31, il y a Exode 16. Le verset 31, Exode 16. La maison d'Israël demande à cette nourriture le nom de man. Merci Seigneur. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Et elle était blanche. Et ça va qui? Et avait le goût d'un gâteau au miel. La manne était une graine. Là, c'est Exode 16, verset 30. Exode 16, verset 30. Or, Bible compare à Kambouma. Or, la Bible compare à un corps. Na mtoto. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, on va partir du verset 35. Nous les prenons à partir du verset 35. Tiens, le verset 34. Jusqu'au verset 34. Nous sommes en Jésus-Christ. On termine à propos de Jésus-Christ. Oui, tiens, le verset 38 plutôt. Juste au verset 38. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps revient-ils? Verset 36. Insensé. Il est mort. Toujours dans les Corinthiens 15. Ce qui dit saint ne reprend point vie sur main. Et ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui m'éteint. C'est un simple grain. Des blés peut-être. Ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Lorsque Paul veut parler de la résurrection, en comparant par rapport à la grain semé où ils ont dit encore, il a comparé le corps ressuscité au grain semé qui apparaît encore. Comme na tant il y a ma côte qui était, comme du temps où ils étaient entrés dans la terre. Dans Josué 5, dans Josué chapitre 5, Pâques et Samé, la Pâque qui célébrait, man et cessé, la manne a cessé, mais on est blé à pays. Manger les blés du pays. Mais mal conservé. Et ça, mal au babombi. Ouani, ça l'a dit. Mal ou à conservé. Mais cette mal qui était conservée. Et nous avons dans 2 Corinthiens 5. C'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 5. Thomas, dans le verset 1. À partir du verset 1. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, donc ces corps où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Il demeure éternel qui n'a pas été fait de main d'homme. Parce que man est à la qui compte. Oui, que man est à la qui mouma.
mouvement grain dans sa corps. Et le grain parle du corps. Manque caché est une corruption. Mais la manque cachée n'a pas subi la corruption. C'est devenu manque caché. C'est-à-dire la manque cachée. Comme les amis d'autres. Incorruptible. Où est-ce qu'il convient de s'amater pour vous la tête? Mais on va avoir la soupe à course. Et on reçoit cela à la fin de la course. Mais continuez vos tables. Je continue la lecture. Verset 2. Le verset 2. Aussi nous gémissons dans cet temps. Et nous sommes nos amis, n'a pas de minéraux, n'a pas de désirant de vivre notre domicile céleste. N'a pas de pour la dans notre ami sur ma couleur. Si ni moi nous sommes trouvés vêtis et non pas mis. N'a pas ce qui te coûte un peu à ton malade, à ton volume goûté. Donc pour la dans notre roi, n'a qu'un bon. Donc pour porter ce corps-là de gloire, il faut s'en pour la dans la. Il faut que tu sois vêtu. Voilà. Alors tu vas porter ces corps. Sauf qu'on s'en pour nous, si tu es nu, tu ne vas pas porter ces corps. Donc on a ta voix qui vous sonne dans le dans ces vêtements premièrement. Oui, pour soumettre on a ta toi. Qui fera que tu puisses porter les corps à venir? Ils ont dit les œuvres justes de ça. Ils ont dit, mais ça là, il y a malade ou il y a la sang. Vie à parole à Christ. Vie à soumission. Vie à vérité. Si tu gardes cette vie en toi, alors tu recevras la main cachée. Le corps incorruptible. Que Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour nous. Donc, c'est que ça récompense les autres salles de Manasouka et à marche. C'est la récompense qui se donne à la fin de la marche de l'Église. Dans Zonia, blé du pays. Nous mangeons le blé du pays. C'est la parole que nous en avons. Les amis du robot nous en avons. Mais man les a cachés. Mais il y a une main conservée dans l'arche. Où ils ont la promesse. Où ils ont une main dans l'Aïlaka. Alors, tout le monde a encore une récompense caillou. On a vu avoir une autre récompense de caillou blanc. Caillou blanc et ça du baba, donc c'est la pierre, mais du baba est manqué. Mais la petite pierre, baba est manqué maintenant. C'est pas une grosse pierre ou une rocher, une petite pierre. Et c'est ce que toujours on amène la définition de la pierre dans les Écritures. Et nous prenons la définition de la pierre dans les Écritures. Toujours on a un songe de Nebuchadnezzar. Nous voyons dans les songes de Nebuchadnezzar. Dans Daniel, chapitre. Deuxième. Dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 43. À partir du verset 43. Dans où Daniel a expliqué les songes. Lorsque Daniel expliquait les songes, il voit. Dans même le 44. Le verset 43. 45. Dans les temps de Sion. Le Dieu des cieux suscitera un royaume. Qui ne sera jamais détruite. Et qui ne passera point sous la domination de notre Père. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, l'argile, les reins d'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable. Et son explication est certaine. La pierre là où ils appellent le royaume. La pierre, ça royaume. Mais, alors, il y a une pierre royaume. Oyoyo et bon les cas sous terre. C'est un royaume éternel. Le royaume qui est éternel qui ne passera jamais. Donc, tant que tard, lorsque nous observons, quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, à Sali Mabino Konyos, il a
c'est l'homme à son image. Donc l'image fait des fils. Et un fils ne les a pas appelés à pouvoir. C'est au fils que le Seigneur avait remis le pouvoir. Adam le béni. Il a pris la domination, le pouvoir et lui a donné. Donc le pouvoir était le pouvoir du fils. Donc royaume est là qui a fils. C'est pourquoi nous montrons ceci bien aimé. Dans le langage de Dieu. Écriture dans le royaume ébranlable. Donc l'écriture parle de mon Dieu et Ninganaka. Il n'y a pas de Ninganaka. Les choses ébranlables qui ne sont pas stables. Dieu inébranlable. L'écriture parle aussi des choses qui ne peuvent bouger. Et tous les prophètes Mazalaki et les moyens véritables le royaume Mouana qui est Christ. Mais pas sa réunion sur Mazalaki et les moyens pour continuer à solo Christ. Parce que t'as pas posé que Jésus question à lui 17. Parce que quand on lui avait posé la question dans Luc 17, à partir du verset 21, à partir du verset 20, à tout le monde, on lui a posé la question comment viendra le royaume de Dieu. Alors, à tout le monde, ils ont posé cette question au futur. Hier, à répondre à présent. Et Jésus leur a répondu au présent. Nazotama. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Il a répondu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière frappée. On n'ira point. Il est ici. Où il est là? Car voici. Le royaume de Dieu est au milieu. On dirait qui c'était en train de se Il est le royaume de Dieu. C'est lui ici qui est parmi vous. Oh, le royaume, c'est tout une pierre. Oh, David a prophétisé dans le psaume 118. David avait prophétisé dans le psaume 118. Alors, lui, ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai le Seigneur. Bah, mais c'est David. Voici la porte. Parce qu'il y a ce qui dit couqué. Parce qu'il avait demandé les portes plurielles. Là, on va aller à partir du verset 19. Tu commences à partir du verset 19. Le psaume 118. Le psaume 118. On était à verset 21. Jusqu'au verset 21. Voici la porte. Voici la porte. Lorsqu'on lui a montré la porte, il a commencé à louer le Seigneur. J'étais loué le Seigneur. Le vin a commis sur colo. Parce que mon tel signal le salut. Parce que tu m'as montré le salut. Et ce sont ces paroles qui étaient dans la bouche de Siméon. On a la porte. Siméon avait vu la porte des cieux. Amen. Amen. Porte. Il a vu la porte. Et à louer le Seigneur. Alors il a loué le Seigneur ensuite. David a voulu la porte avant la prophétie. Lorsque David voit cette porte dans la prophétie, la porte avant il y a la pierre qu'on rejette. Alors il y a qui en est, mon nom qu'on y va, mon nom va quoi que. Nabatouki. Je parle des bâtisseurs. Et comme il a principal de là. Et comme il continue là. À continuer, c'est une journée que l'Éternel a faite. Les amis, mon collègue, à moi et mon collègue, ça va me faire là. Journée, il y a mon mot pierre, il y a mon la porte. Il est le royaume. Il a présenté ici, il s'est présenté comme le royaume. Mais le royaume est un fils. Parce qu'au côté de la terre, il y a moine. C'est ça qui est ton nom. Bon, au continent, la personne qui a dans. Le Seigneur a fait donner le pouvoir ou la domination. Le royaume du fils. Au côté de moine et un tata. Et lorsqu'il est tombé, Zambé a moine qui soutient mon client. Le Seigneur ne voyait plus qui prendre. Avec l'héritage à Zalagina. Nabikula ou tata Zalagina. Il faut aller héritier. Il doit chercher l'héritier au Sangolinango. Or, hier, à l'Inana, oh, il y a un or, le Seigneur n'a pas été le premier. Par rapport à ma créature Nyonsu, par rapport à toutes les créatures, Nakatiaba, na humanité. Dans toute l'humanité,
Adam. Comme il était tombé, tout ce qui vient après, Tina Polini s'est défini en roi. Maintenant, l'héritage, il nous en a fait. Avec tout l'héritage qu'elle est belle. Un testament, ça pour la fils. Là, mon cadet, il a pas. Tout le monde a mal, il a trouvé sa héritage. Personne ne remettre toutes ces choses. À sentir. Maintenant, il a senti. Dieu a sa paix. Lui qui est paix. À pour ma fils. Toi, devenir le fils. En fait, quand ça l'a, a hérité. Et il y a sans pour la Nicola. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça, amis, comme ici. Fils, la première fois ça dit moi, toi la héritier, afin qu'il puisse hériter tout. Il y a mon Colossiens 1, verset 12, mon frère. C'est pourquoi Colossiens 1, 12 dit j'aime beaucoup la parole. Il a ta vie qui nous va t'appeler. Il y a mon message à la mission de joie. Et c'est ce qui nous donne la joie. Et c'est mon mission de m'appeler délié. Non, la joie sur la terre, c'est la parole de Dieu. Verset 12, le verset 12, la 13. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Ah. Ramenez grâce au Père. Au Père Samantou qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son enfant. C'est pour le fils. Pour fils d'un héritier. Oui, que moi, d'ailleurs, j'ai mon sang. Testament est encore en vigueur. Mon cadavre, il a des autres. Pour héritage, il n'y a pas de ma fils. Afin que tout l'héritage soit remis. Mais là, c'est fils. Vas-y, moi, là-bas. Alors, il a l'excès. Il dit dans l'excès. Avant, il a dit à ma chambre. Il dit à ma chambre. Vous venez, mon tanani. Qui est allé vous voir? Un homme bien habillé. Pour toi, là, tu m'as là. Pour toi, là, tu m'as là, mais ça va dans la cour royale. Messieurs sont dans les maisons de voir. Pour que nous donnions un prophète, nous savons. Prise, quel prophète? Vous pouvez aller qui attend pour savoir. Alors, lui, parmi ma haute, ma haute, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand nom de Jean-Baptiste à sa tête. Il n'y a point qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Alors, pas de l'école, pas comme il s'agit Jean-Baptiste et Moïse. Il y a la capacité de faire de Jean-Baptiste et Moïse. Pour Exode 29. Parce que dans l'Exode 29, verset 4, verset 4, nous avons dit ça comme Moïse. Le Seigneur avait dit à nous, tu vas laver Aaron avant qu'on t'en consacre. Avant qu'il ne soit consacré dans les sacerdotes. Il n'a pas fils. Lui et ses fils. C'est dans l'Exode 29. C'est dans l'Exode 29. Verset 4. Le verset 4. Maintenant, jour-là, dans le jour. Maintenant, ce jour-là, dans le jour, Jean-Baptiste n'a ce qu'on Aaron appelé Jésus. Jean-Baptiste qui avait lavé Aaron qui est Jésus-Christ. Dans le jour, au jour, Jean-Baptiste a dit Moïse. Jean-Baptiste était Moïse. Selon Exode 29, verset 4. Selon Exode 29, verset 4. Et Christ était l'Aaron qui est en train de se faire. Christ doit s'arrêter qui a l'honneur à sa place. Beaucoup lui s'est proche. Jean-Baptiste est mort. Et Jean-Baptiste lui-même ne l'avait pas compris. C'est pourquoi la matière pour moi. C'est pourquoi la matière pour moi. Aaron est qui vraiment baptisé. Il avait refusé de baptiser le Seigneur. Ah, mais non, il y a un gros baptisé. Mais c'est toi qui dois me baptiser. Ah, c'est Jésus. Il dit à Jésus, c'est Jésus. Ici, et Jésus lui a dit laissons accomplir ce qui. Si quand on conquis ses amis intervenaient, donc il y a compris la guerre. Donc lui ne l'avait pas compris. Attends, en ces temps, de ceux qui n'avaient pas péché, c'est la grâce. Mais si le Seigneur nous l'a donné, c'est une grâce. Ça va être là pour mon alliance. Nous lui rendons grâce à toutes choses. Donc, ma carte est là. Donc, en tout cela, avec Jean-Baptiste, ça va plus grand. Et il va nous battre ses amis. Pour t'accompagner, il y a ça. Pour l'on connaît la main à l'excès. Dans l'excès. Marobé, les plus petits dans les royaumes des cieux. Parce que il y a sous il y a bouquet, la tête ça vous contente. Vous voyez le plus petit là. Il y en a caillou. Il y a des libata moquet. Les plus petits dans les rangs. Moi, il y a bouquet, la tête ça vous contente. Et plus grand que Jean-Baptiste. Il y a sali colon pour les Jean-Baptiste. Donc les plus petits là. Il y a bouquet, voilà. Les cailloux là. Oui, sali libata moquet. C'est le royaume du Fils. Il y a moi. C'est ça le langage. Il y a moi. Le royaume du Fils. Donc, beaucoup dit à moi. Petit là. Donc, il y a mon qui c'est le Fils. Les amis, moi, il y a mon bal. Et t'as mon caillou. Et lorsque tu vois les cailloux, les amis, qui l'était, beaucoup Dieu et beaucoup de bâté. Donc, le royaume qui ne sera pas détruit. Il y a moi dans un témoignage, en prenant
culte, dans Ézéchiel 3, pour tout le monde, si ça dans le premier culte, j'avais pris un témoignage dans Ézéchiel 3 pour acheter. Dans le verset 9, au verset 9, parce que la pierre, où était l'Ibaba, et l'Issaka, et donc les a dur, et donc les autres diraient toujours les a inébranlables et les a ratés. Et donc les animataires, ces hommes, mais la paix, c'est qu'à la mouille. Comme le royaume de Christ, c'est un royaume comme pierre. Donc, quand on dit à Christ, c'est un autre royaume, Banga. Ézéchiel 3, verset 9. Ézéchiel 3, le verset 9. J'ai dit ça au nom de Jésus-Christ. Attaque la congolaise. Je rendrai ton front comme un diamant. Comme il s'apporte, tu n'as pas le diamant. Diamant, c'est un caillou. C'est un caillou. Hein? C'est une pierre en moi. C'est une petite pierre. Mais plus dur que les rocs. Parce que ma casse, il colle le calibaka au nez. Ne les craignez pas, quoi qu'il soit une famille éreintée. Donc, lorsqu'il voit la pierre, c'est la stabilité. C'est la stabilité, la constante. Quelque chose est branlé. Et donc, ils ont tatabanaté. Il y a un petit exemple au caillou du diamant. C'est pourquoi on a donné ici l'exemple du diamant. Directé où le Seigneur a tiré la carte d'Ézéchiel. Au matin, si vous avez la carte d'Ézéchiel, exact. Les animaux qui sont 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 les animaux qui le Seigneur donne la promesse du caillou, cela veut dire les animaux qui fils. Donc le vainqueur entrera dans le royaume du fils de Dieu. C'est ça Colossiens 1 verset 12 et 13. C'est ça Colossiens 1 verset 12. Mais lorsqu'on parle du caillou blanc, royaume, c'est un royaume de justice. Et ce royaume-là, c'est la justice et c'est ça la blancheur. Et la semaine, tout le monde m'a dit, Azo portait un homme, nul ne connaît. Si c'est lui, c'est lui qui les reçoit. Et au cours de la semaine, on parlera du nom que personne ne connaît si c'est lui. N'ayez pas vaincu, mais sache ceci. Manne cachée, la manne cachée, et pour la gâter, et pour les gens. Manne, le les années qui vous m'aillent à comme la manne, c'est les gens de Corée. Les grains est comparé au corps. Donc la main nous en a caché et tout pour la tête. Comme cette main cachée ne pourrit pas. Il le met dans la coupola. La Bible appelle la corruption. Et wa. La mort. Donc main nous en a le coup les autres pour la tête. Comme cette main là ne subit pas la corruption. Et l'homme dans le colon a dit wa. Cela veut dire cette main a la victoire sur la mort. Cela veut dire. Et l'icône a monté à tous. Donc celui qui obéit à la mort. D'accord, selon la parole. Il a marché selon la parole. À son cas, on a main cachée. À la fin de sa vie, soit la main cachée, il dit, il va recevoir le corps et corruptible. Mais à mon point de vue, il reçoit ce corps pour aller. Pour avoir caillou blanc. Afin de recevoir les cailloux blancs. Lorsque le Seigneur t'a fait porter le corps, il va continuer à continuer à seconder. C'est pour te faire entrer dans son royaume éternel qui n'est pas assez cher. C'est ça, promesse l'église à Pergame. Il y a monné la paix église à Pergame. Et par la grâce de Dieu, pour continuer dans la semaine. Et dans pour lui, à sa paix, nous tombons à la pause. Et Dieu te bénisse. Ça ne fait pas pour la vie. Et la paix du Seigneur, les amis, pour nous, à mon corps. Et donc la paix du Seigneur, ça suit. Ça vient à ça, les amis, nous avons. Et que le Seigneur te fasse. Et ça, il y a un communiqué qu'on avait donné au premier culte. Donc on a oublié ça culte à part entière. Et comme ceci aussi c'est le culte à part entière, il faut oublier ça nous aussi. Nous devons aussi culte. Transmettre ces communiqués au deuxième culte. Tout en acquis, Lévitique 14. On avait lu Lévitique 14. Donc nous avons oublié ça communiqué. Lorsque nous donnions ces communiqués, toujours qui est le verset 33e. On avait pris le verset 33e. Le Kinegiti, le verset 45e. Jusqu'au verset 45. Les a toujours communiqué ma santé du campement. Nous communiquons au sein un message. Nous lisons le nom de Jésus. Christ. L'Éternel parla à Moïse et Aaron. Et dit, lorsque vous serez entrés dans les pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison des pays que vous posséderez, ce qui n'a pas été pota, yambala,
Celui à qui appartiendra la maison ira les déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme il plaît dans ma maison. Les sacrificateurs, avant d'y entrer, pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison. Afin que tout ce qui est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres, ou rougeâtre, paraissant plus enfoncé que le mur, il sortira de la maison. Et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Les sacrificateurs y retourneront le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on entre les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison. Et l'on jettera hors de la ville. Dans un lieu impur. La poussière qu'on aura raclée. On prendra notre pierre. Et l'on mettra à la place de plaigner. Et on prendra notre mortier pour écrire la maison. Oui, c'est 43. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et récrépi la maison. Verset 44, les sacrificateurs y retourneront. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée. Et sa vie, on a mal à voir aussi la tête de la maison. Elle est impure. Verset 45, il y a Lévitique 14. On abattra la maison. Les pierres, les bois et tous les mortiers de la maison. Et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Donc, comme l'écriture nous a montré, souci à sacrificateur, le souci du sacrificateur, lorsqu'il voit la maison frappée par la plaie, et qu'il examine la maison, la soigne afin qu'elle puisse être soignée. Et s'il remarque que les pierres sont toujours attaquées par la lèpre, il va enlever les pierres qui ont été attaquées. Et pour remettre à la place des nouvelles pierres. Et même si on retourne les nouvelles pierres, ils ont dit encore cette plaie s'étendre sur le bâton. Et qu'on crépit, on racle. Et que la lèpre s'étend toujours dans la maison. Et qu'on fera que cette maison soit abattue pour du bon goût. Vous allez abattre cette maison. La maison parle de l'homme, et elle parle aussi de Sala. Et elle parle aussi de l'œuvre. Ce qui n'est pas la relation,
Si par exemple, on s'est un suivi sur toi, un prédicateur sur toi, tu es tombé dans la bouteille, on te corrige, tu t'es répandu, tu t'es répandu, et ça ne te va pas en payer par aussi par sanité. C'est comme le sacrificateur qui est venu après à observer ce qui n'a pas été. Après, il observe si la maison est guérie. Mais ce qu'ils ont dit, ils ont couru la carte. Mais si la lettre ne fait que c'est en dessous, quand on va couper, quand on va à la fin, on va abattre la maison. Voilà, mais on coco. Tu étais un serviteur, tu es là pour nous venir pour nous mettre prier dans le ministère. En fait, tu mets toute la maison, c'est-à-dire qu'on te dépouille du ministère. Zongi Mondi. Et puis tu rentres un simple frère sur la chaise. Ton nom est pour nous couper ça, communiquer. Nous disons ceci pour communiquer. Nous avons la lettre et outil dans le Conabiso. Dans l'université 83. Nous avons des lettres qui nous sont parvenues de l'université 83. Oui, les amis, on a dépouillement et frère Kalo. Oui, les amis, on a dépouillement et Kalo, comme et qui va dépouiller le ministère, peut va livrer à Satan. Dépouiller du ministère et livrer entre les mains du diable. Un autre temps, un autre. C'est pourquoi nous le disons. Donc c'est ça. Pourquoi va combien on va centre? Comme on est adressé au saint, Bible le dit. La Bible dit. Non, lettre le dit plutôt. La lettre dit. Livraison du docteur Albert Kalokabunda. Albert Kalokabunda. À Satan. Et son dépouillement du sacerdoce au ministre de Dieu, frères et sœurs, et toutes les assemblées des saints, chers ministres, frères et sœurs, lettre ma comédie bisou, la lettre on l'a adressée à ma comédie bino ma sœur, et on vous a adressé à vous les sœurs, et aussi à vous les frères. C'est pourquoi nous les lisons ensemble. Voilà à ces jours, plus de 35 ans, que nous faisons face à un cas de récidive d'adultère, d'impudicité, des destructions de couples et des lois de foyers dans les chefs de frères Kalokabunda. Une vie et une histoire caractérisées par des scandales et des livraisons multiples. L'un dernier cas qui nous amène à prendre les décisions reprises en marche et l'histoire d'une servante de Dieu que le docteur découvrira un dimanche lors d'une prestation à l'église. C'est alors que le docteur s'intéressera à la sœur et lui proposera de la produire. Et d'assumer sa promotion. Bonne foi ou piège. Et comme condition pour la produire, la sœur ne devait pas s'engager pour les mariages. Donc la ligne à produire sœur pour soukaye, bon, mini, mais condition. La condition pour balaté. Mais t'engages pas dans les mariages. Nous nous posons la question de savoir si cela est une condition
progresser dans une carrière musicale. Ce qui a monté sa vie, mon père, il a collé la peau à Colomba dans ma cabane. Ou une stratégie. Ton père, on l'a dit, mon père, pour avoir un accès facile à l'intimité de la sœur. Pour la cause, il faut que pour la cause, il y ait un autre ennemi comme moi. La démarche du docteur commençant par un enseignement tronqué. Le lendemain, il y a pour bander la Ezala qui n'a rien à dire à l'opéra Babylon pour le souci. Sur les sacrifices. Alors, il t'a dit le lendemain pour une cabacorie pour ses pattes. Qu'il va donner à la sœur. Oui, on est la mission à couper sa vie pour moi. En disant, n'a pas le mal. Toute chose dans la vie. Et l'on connaît son amour. Demande un sacrifice. Et c'est la carrosse à la méta. De quel sacrifice le docteur parlait-il? Par la suite, la sœur comprendra que le sacrifice dont parlait le docteur n'était autre que les actes sexuels. Donc, moi, je ne connais pas sacrifice. Tout demande des sacrifices. Sacrifice à mon point pour lui, il y a bien. Et pour bien te produire, ma soeur, il faut que nous sommes dans nous autres. Nous devons passer les actes sexuels. Qu'il devait, les actes sexuels qu'il devait poser sur elle, oui, c'est bien la casse à la Nicolas de Gomois, pour la produire. On a conçu la haine à et avec le temps, les prédateurs, alors, avaient fini par. Révéler ses intentions. Les messages audio. Messages pour Yahoo. Et capture WhatsApp. Photo, ma salle à l'écran. En sort la preuve. C'est le jour où la sœur lui dira qu'elle s'est engagée dans les fiançailles. Que le docteur prendra la décision de ne plus produire la sève. Donc, tant que c'est la mission qui en tout cas, lorsque la sève est frère, mon voyage pour tout le bas la pandémie, qui est au bas la pandémie. Un frère est venu me dire qu'on va se marier, puis je l'ai accepté. Et il en a ligné maintenant le docteur à Colombo. Et le docteur dira. Et lui dira, ceci, les chansons que tu as déjà enregistrées, c'est pour ton fiancé. Car moi j'arrête. Le renoncement à la production de la sœur, même après avoir investi son argent, montre la suffisance de la vraie face de ce que cache sa maison. Et la maison production musicale. D'accord, il y a un filet ou un piège pour gérer sexuellement les filles. Aux esprits faibles. À condition de lui être totalement soumise. Il est également reproché au docteur l'utilisation. Ou le reniement de l'enseignement dans le but de satisfaire ses appétits sexuels. Notamment, lorsque la sœur lui dit que tu es mon père. Je ne peux pas coucher avec toi. De peur d'être maudit.
maudite. Si tu couches avec moi. Un verset. Les rejets d'une portion de Lévitique 18, verset 7. Ou encore lorsqu'il dit à Zère, toi tu n'es pas soumise. La soumission donc question ici est l'acceptation de passer par son lit à petit terrain pour la production. Ephésiens 5, 22. Mal enseigné. Voici la retrouve une solution pour qu'il ne m'embête. Comme s'il était encore célibataire, le frère Carlo ne cessait de faire la promesse à cette sœur de lui trouver une maison condition où elle veut et elle vivra seule. Parmi ma condition, elle va produire. Parmi les conditions de production. À travers ces correspondances, WhatsApp et audio, déshonorantes et honteuses, les docteurs a tout simplement montré au sein. Et on monte la vraie face cachée de la vie qu'il a toujours menée et dans laquelle il est plongé. Malgré toutes les sanctions qui lui ont été infligées dans le passé. Et qu'il n'a jamais pris la ferme résolution d'abandonner. Proverbe 28, 13. Notamment quand il vante ses exploits inégalés sur le plan sexuel. Ses capacités d'engrosser même une femme déclarée stérile. Combien déjà ses capacités de changer le corps d'une femme en faisant sur elle des pratiques honteuses dont nous taisons les noms ici. Pratique mondaine et propre aux acteurs de cinéma XXL. Dieu seul sait combien de filles et de femmes sont victimes de cet homme. Qui aujourd'hui se révèle être un loup ravisseur et un mauvais berger pour les brebis du Seigneur. Il va plus loin en disant, je vais enseigner cela à l'église. Ces bêtises et ces coups de foudre incontrôlés à l'église du Seigneur. Voilà ici un nombre de questions que nous nous posons en rapport avec les parcours des frères Kalou Kabouda. Pourquoi l'appeler? Parenthèse, impudicité et adultère. Des frères Kalo ne guérit-elle pas? Jérémie 15, verset 8. Comment la vie d'un homme
appelé, montrer le chemin du salut aux autres. Doit-elle rester stérile toutes ces des années? Parenthèse Malachie 2:5. Pourquoi le frère Carlo laisse des dégâts partout où il se rend, qui chasse, dégâts, qui s'engage, erreur, dégâts. Contrairement aux actes des apôtres, Actes 10, verset 38. Comment même après son mariage, il n'arrive pas à vaincre l'impudicité. 1 Corinthiens 7, 2. Comment un homme marié peut vivre séparé de sa femme plus de 15 ans sans raison doctrinale? Genèse 2:24. Il égare ce qui précède. Nous, ministres de Dieu de l'Université 83, après délibération, rendons le verdict suivant. Le frère Carlo Kabunda est livré à Satan et de ses fins. N'a plus le droit de communier avec tous les saints du monde. Ayant trouvé un écart entre les traces de Christ et Acte 10:38, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Il en est de même pour les apôtres de Christ et celle de frère Carlo Kabunda, car nous constatons que depuis plus de 35 ans que le frère va de lieu en lieu, couchant avec les femmes d'autrui, de lieu en lieu, engrossant certains, abusant des filles d'autrui non mariées, détruisant des paisibles foyers, couchant avec les membres d'une même famille, Yaya Naleki, la soeur de sa maman Namwana, la mère de sa fille, Makawana Nosisali, c'est la soeur de Pétonier, et faisant marquer la paix au sein partout où il sera. Le collège de l'Université 83 a pris l'option de dépouiller le frère Carlo Kabunda du sacerdoce. 1 Roi 2:26-27. Et puis que sa lèpre ne fait que s'étendre et devient incurable. Lévitique 14:34-45. Malgré tout ce qu'on a fait sur lui, nous avons décidé de détruire cette maison et qu'elle devienne inhabitable. Et c'est fait. Il n'a plus le droit de se tenir devant le peuple de Dieu. Il n'a pas fait preuve de vie et de paix.
1 verset 5. Au cas où le frère Kalo, ce qui ne Kalo, se croirait habillé. Azali Kokanise, Azali Nayamba. Parenthèse, Esaïe 3:6. Pour être chef du peuple, ou de prêcher l'évangile. Car pour nous, il est né. Nous lui demanderions de créer sa propre communauté. Où il évoluera comme prédicateur sans nous. Fait à Kinshasa. Les collèges des ministres apportent Kassi Kassange. Pasteur Bruno Kabunda, Docteur Blaise Kone, Docteur José Iboul. Je pense que tout comme il s'est mis en lettre, je pense que nous avons fait parvenir la lettre. Le frère Thomas a dépouillé le ministère. Il n'est pas le plus ministre de Dieu. Et à ta amitié, la carte à ma frère. Si par exemple il prend l'idée de retourner à prêcher sa communauté, il fasse sa propre communauté. Église des saints, ça n'a besoin à Kinya. Il s'appelle la sainte Zaina Bosse à Kinya. Ça n'a besoin vraiment à Kinya. Nous avons vraiment besoin de paix. Que Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas pour nous. Parce que Bandeko n'a eu sa cabane. Parce que j'avais dit aux frères que. Dans notre travail, dans la je travaillerai plus ensemble avec le frère Tan. En 2021, dans ce cas, on va réunir la chose. Même en 2021, je leur avais demandé une réunion. On était ensemble. On était ensemble. Et ici, dans mon cœur, je leur ai dit, docteur Kalou. Le docteur Kalou m'a considéré comme un pasteur à protestant. Je l'ai toujours considéré comme un pasteur de protestant. Et le pasteur de Kimbanguiste. Donc, on a eu tous la même sens. Lui et moi ne sommes pas dans le même sacerdoce. Nous étions en réunion. Il y avait le pasteur Bruno. Il y avait le pasteur docteur José. Le docteur José Bote. Le docteur Tibablaise. Nous avons un autre apôtre. Le docteur Jean-Pierre. Le docteur Jean-Pierre. Et le docteur Kalou. Total, ce qui n'a pas de taille, ce qui va au cœur. Je leur avais montré. Les frères à tous à la sanction. Les frères n'ont jamais obéi à la sanction. Depuis que j'ai reconnu Kimbong, dans la Kimbong, dans toute la sanction, même lorsqu'on les sanctionne, il refuse les sanctions. Et même sanctionner, c'est même qui avant. Même les sanctions avancent. Il venait à sanctionner. Mais il est sanctionné. Il y a l'un de nos frères qui a délivré la caille. Il y avait l'un de nos frères qui s'était opposé à frère, il sauvait la Félicien. Le frère Félicien, il sauvait là. Tu es plus que ceux qui obéissent à la parole. Ce qui n'a pas eu ce soir. Si je te revois ici, je vais te taper. Donc Félicien, ce que la dame était finie. Finie. Il était confiné en ce temps-là. Il est confiné. Il n'obéit jamais à la sanction. Et puis, la MCN va t'aider. J'avais dit ceci aux serviteurs de Dieu. Le sacrificateur ne me déclara ce sont les sacrificateurs qui déclarent pur le lépreux. Tel que le docteur est là. Qui parmi nous peut déclarer qu'il est pur tel que nous sommes là dans la vie. Je prends Jésus à terme. Aucun serviteur n'avait accepté que le frère est pur. C'est vous qui avez jugé pour le faire retourner à l'intimité Kadhafi. Mais vous ne croyez pas qu'il est pur. Ça n'a pas de sens. Et avant mon voyage, il y a des années qui sont en train de se faire. Il y a des années qui sont en train. J'avais un entretien avec les serviteurs que j'aime. Le pasteur Bruno. Le pasteur Bruno. Le docteur José. Le docteur José Ibono. Et rencontre Moussou Nazakina Moussina, un pasteur Moukwa. Et il se rencontre avec le pasteur Blaise Lokwa.
Jérémie avait dit ceci, que Dieu nous appelait à vous livrer Calo et sa suite. À vous voir dans la salle, dans Calo, paix, dans la tournure, sur la zone, sur la paix. À vous qu'il n'y ait pas gagné mon côté. Il n'y a pas seul entre les mains, ça n'a pas suite, il n'y a pas seul entre les mains. Amen. Il y a les serviteurs qui le soutiennent par le mal. J'ai dit, c'est le message du Seigneur. Il y a une qui va être examinée. Il aura quoi? J'ai pas la vie. Là, la zone qui est la vie, ça fait briller. C'était en fait venir ici. Comment est-ce que ça s'est fait? Vous aurez un bon souci de vouloir gérer le problème et vouloir gérer les dossiers du rêve. Mais le Seigneur prendra ses dossiers. Et le Seigneur va les diminuer dans le monde. Je l'ai dit. Mais ça ne va pas. À deux prises. La maladie va aller mourir. Pourquoi vous contrôlez la situation? Vous ne saurez contrôler la situation. Ça, c'est le message du Seigneur. Voilà les amis. Mais moi, je m'en vais à ça. C'était dans ma février. C'était en février. Et commis. Et la chose est arrivée textuellement que je leur avais dit. Moi, il m'a contrôlé ma campagne. Il n'avait plus moyen de contrôler l'affaire. Dieu avait dit. Ça me à la bague. Donc, c'est pourquoi nous disons que c'est Dieu qui l'a livré à sa salle. Ça veut dire quoi qui est dans le monde à sa salle? Il avait dit que c'est le monde. Parce que le Seigneur avait dit que ça se fera ainsi. Dieu n'a jamais dit. Ça veut dire que la production spirituelle, nos amis batteurs pour lui. Ma camarade, mais c'est d'abord l'esprit. Les choses de Dieu, c'est l'esprit d'abord. Que Dieu bénisse. Ça veut dire quoi? Et que la paix du Seigneur soit dans le monde. Et que la paix du Seigneur soit dans le monde. Notre étape à laquelle nous n'allons plus tarder, d'honorer la parole de Dieu et nos engagements. Parce que